Eh bien bonjour tout le monde, ici K2M aux commandes et aux commentaires pour vous accompagner lors de cette première vidéo de cette nouvelle frappe solus sur Velvet Assassin. Alors d'abord quelques petites informations sur le jeu, à savoir que c'est un jeu d'infiltration développé par Ripley Studio qui normalement d'après les dernières informations est fermé, dommage, et édité par Gamecock Media Group. Ça je les connais pas, enfin bref, c'est pas important, il est sorti chez nous normalement le 25 juin 2009. On peut le trouver sur PC, Xbox 360 et PS3, et je vais vous filmer la version PC. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu, comme je l'ai dit, d'infiltration, où nous allons incarner l'agent britannique Violet Summer. Alors, à noter que le jeu est, entre guillemets, basé sur un personnage qui a existé, il s'agit de Violet Szabo. Il s'agit d'une franco-britannique, née le 26 juin 1921 à Paris, qui ensuite a été recrutée par les services secrets britanniques aux alentours de 1944, puis a mené quelques opérations de sabotage en France. Malheureusement, elle a été capturée le 10 juin 1944 pour être interrogée et torturée par la Gestapo. D'après les informations que j'ai pu recueillir, il faut savoir qu'elle n'a pas parlé sous la torture et qu'en août 1944, elle a été transférée dans un camp de concentration pour finalement être exécutée. Alors ici, pas de date précise, on estime entre le 25 janvier et le 5 février 1945. Voilà, ça c'est pour les infos pour le personnage réel qui a inspiré Violet Summer. Et maintenant, en parlant de Violet Summer, alors ici, c'est des infos que j'ai essayé de trouver dans la mesure où le jeu ne donne pas vraiment d'informations sur sa vie et sur son histoire. On sait juste qu'elle est née à Dorset. Alors c'est un comté du sud-ouest de l'Angleterre, ce n'est pas une ville. Dorset, un comté dont la capitale est Dorchester. Elle a vécu dans une famille heureuse et a commencé à travailler dans un salon de beauté, mais malheureusement, à cause de la guerre, elle a été obligée de travailler dans une usine d'armement où elle fut repérée et ensuite recrutée par le SIS, à savoir le Secret Intelligence Service, en gros les services secrets britanniques. Alors, concernant sa famille, on sait qu'elle a perdu une tante durant l'un des premiers bombardements de la Luftwaffe sur l'Angleterre. Et on sait aussi qu'elle a perdu son mari, qui apparemment était un pilote de la RAF, c'est-à-dire la Royal Air Force, durant une bataille. Malheureusement, très peu d'informations, je dois l'avouer. Et entre guillemets, on nous dit que ces différents malheurs et ces pertes vont l'aider à accomplir ses missions, dans la mesure où c'est un espion britannique spécialisé dans l'assassinat. Également, les missions de renseignement et d'exécution. Alors, maintenant, nous allons commencer une nouvelle campagne, mais avant, je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'histoire du jeu. Je parle au niveau scénario. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes Violet Summer, et comme vous le voyez sans doute sur les vidéos d'arrière-plan, en fait, nous avons été blessés durant une de nos missions, et nous sommes dans un hôpital français, allongés, plus ou moins inconscients, sous morphine. Alors, petite information, à savoir que la morphine, c'est un médicament analgésique le plus efficace connu à ce jour, mais comme c'est un dérivé de l'opium, ça sert, disons que ça a des effets de drogue. Et disons que sur nous, un de ces effets est un petit peu de nous rappeler les premières missions que nous avons accomplies. Donc, le jeu va se dérouler plus ou moins en deux temps. Le premier temps étant les différentes opérations que nous avons déjà réalisées, mais que nous allons revivre. Et après, ce sera, disons, voilà, je vais pas vous spoiler tout de suite, enfin vous verrez bien. Alors, nous allons commencer une nouvelle partie en normal. Alors la différence entre agent et normal, c'est que agent c'est plus difficile, au sens où les armes font moins de dégâts sur les ennemis font beaucoup plus mal, sont plus résistants et vous détectent de plus loin. Voilà, donc on va commencer en normal et je vous retrouve après. Alors, dernière nouvelle campagne, oui.
I long to be back in the war. That was my true home. We were inhuman beings. Butchers on a field full of corpses. Corrupt and depraved. Only a sum of viscera, blood and bone. Creatures without souls. Alors, première opération, les disparus. Première mission, la vallée. Donc malheureusement, des temps de chargement qui sont un peu longs. Bon, je pense que je vais vous les laisser, qui sont ponctués de petits conseils, qui sont très utiles. I was flown back to France to blow up a gigantic fuel depot, which the Germans had built in a bunker on the Maginot Line. The Reich was running out of oil. They guarded every barrel like the crown jewels. The main entrance was secured like the Führer's bunker. Fortunately, every rat's nest has a second entrance. I had to try and find it. I jumped over a wooded area that bordered on the rear of the complex. Unfortunately, my equipment was stuck at the top of a blasted tree during the landing. To make matters worse, I saw that the area was guarded by Waffen-SS troops. Those units had one basic rule: take no prisoners. Exactly like me. Et voilà, nous sommes en jeu. Donc ici, premier objectif, trouver l'entrée du bunker. Donc, je parlais avant opération et mission. A savoir que dans cette vidéo, je vais faire les deux premières missions dans la mesure où c'est la même opération. Mais en plus, cette première mission étant très courte, sert essentiellement de tutoriel. Donc on vient d'atterrir ici. Et je vais essayer de vous expliquer dans l'ordre les différentes subtilités du jeu. Donc comme vous le voyez, c'est un TPS qui ressemble un petit peu, enfin qui me fait énormément penser à Splinter Cell. D'ailleurs, je profiterai pour faire quelques petites analogies. Et là, la première chose que nous apprenons... Im Bunker haben's gut, die verloren, die haben's scheiß gut. Der Ofen geht nie aus. Da saufen die Läuse in den Socken. Die kommen noch nie raus aus ihrem Loch. Da ja auch der Name. Die Verlorenen. Die haben die Leitung zum Hauptquartier gekappt. Einfach gekappt. Sie völlig durchgedreht. Bunkerkoller. Mit ihrem scheiß Diesellager. Wer weiß, was sie da treiben. In Berlin haben sie keine Ahnung. Keine besonderen Vorkommnisse. Von nichts eine Ahnung. Vielleicht haben sie sogar recht. Ist nichts Besonderes mehr, wenn seine Einheit durchdreht. Und wir dürfen die Scheiße da außen ab. Et vous expliquer après. Donc, notre première cible. I could easily take the soldier out of the way. I only had to be careful creeping up on him. Va s'approcher de lui en maintenant un touche contrôle en français afin de s'accroupir. Et quand vous approchez un ennemi par derrière, vous remarquerez que l'écran devient progressivement rouge. C'est ce qu'on est l'option tuer. Et à ce moment-là, Violette fait
comment dire, un petit finish d'exécution. À noter que ça ne marche uniquement si vous prenez l'ennemi par derrière. Vous pouvez absolument pas tuer de cette manière de face. Alors bien entendu, en appuyant sur le bouton central derrière la molette, vous pouvez utiliser votre arme et vous en servir de cette manière. Sauf que, malheureusement, si vous attaquez un ennemi par devant, il vous faudra 3 coups de couteau pour le tuer. Donc vous allez vite vous rendre compte que Violette n'est pas, disons, apte à attaquer un ennemi de face. A noter, vous pouvez appuyer sur A pour changer la caméra d'épaule, ce qui peut être très utile quand vous avez une arme. Bon, alors, avant, je parlais aussi, oui, de la silhouette. Donc comme vous voyez, nous sommes entourés d'une sorte de petit halo violet qui traduit le fait que nous sommes, entre guillemets, cachés. Contrairement à ici, où nous sommes en pleine lumière. A noter que nous sommes cachés, certes, cela ne signifie absolument pas que nous sommes totalement indétectables. Même si vous êtes caché, l'ennemi peut vous voir dans un rayon d'un ou deux mètres. C'est-à-dire que s'il s'approche trop, il va vous détecter. On peut également déplacer les corps, comme ceci. Un clic droit pour le ramasser, un clic droit pour le déposer. A noter qu'elle peut le déposer uniquement devant et il faut prendre garde que le corps soit bien caché lui aussi. Puisqu'ils peuvent, les ennemis peuvent également repérer les corps. Bon. Alors, avant de continuer, on va se diriger par là-bas, avec la touche majuscule pour courir, pour ramasser un petit objet. Un objet à collectionner. Il y en aura dans le jeu. Et quand vous le ramassez, vous gagnez de l'expérience. Et comme c'est marqué, en fait, plus vous ramassez d'objets de ce type, plus vous ramassez d'expérience, et tous les 1000 points d'expérience, vous pouvez gagner un niveau, ce qui permettra d'améliorer votre personnage. Bon, normalement, à la fin de cette mission, j'aurai suffisamment de points pour améliorer d'une étoile, et je vous montrerai dans le menu pour la mission, enfin le début de la mission suivante. Donc nous allons continuer par là-bas, pour s'approcher du fameux dépôt que nous devons infiltrer. Alors à noter également, petit bémol pour les sauvegardes, uniquement les sauvegardes automatiques. Et les points de sauvegarde sont relativement éloignés les uns des autres, ce qui fait que si je meurs, ben je vous montre. Enfin, il faudra que je recommence depuis un certain point. Oh, il y a des ennemis là-bas, je vais essayer d'approcher discrètement. Donc également des petites actions contextuelles comme celle-ci. I had to wait until they separated. Ça est là. Wo ist eigentlich Hammer? Er ist vorn und bewacht die andere Brücke, falls er überhaupt noch was peilt. Er ist schon wieder sternhagelvoll. Hm, kein Wunder. Was der erlebt hat, ist nicht so leicht zu verdauen. Naja. Ich vertrete mir noch ein bisschen die Beine. Mach das! Donc on va s'approcher de lui. Hop! On tire. Et on va ramasser son corps. Alors, petite information, vous pouvez vous cacher dans ce genre d'herbe si vous êtes accroupi. Bon, je vais peut-être me cacher un peu mieux. Espérons qu'il ne va pas le voir. Donc, normalement, ici, je suis caché. Alors, petit bémol, néanmoins, vis-à-vis du gameplay, c'est que vous êtes obligé de maintenir la touche CTRL pour être accroupi. Dans la mesure où, de mémoire, dans Splinter Cell, on avait un mode debout et un mode accroupi. Donc là, vous êtes obligé de maintenir la appuyer la touche, et parfois le petit doigt il souffre. Donc vous étonnez pas si parfois je reste en position debout, même dans l'obscurité. Donc cet ennemi, on va le suivre et l'exécuter tranquillement. Le problème, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas notre personnage n'est pas assez évolué, ce qui fait que en théorie, il marche plus vite que nous. Dans cette position. Donc bien entendu on pourrait s'approcher comme ceci, mais ça fait énormément de bruit. Donc, normalement on nous laisse assez de temps pour pouvoir l'exécuter en silence. A noter que quand vous exécutez, ça prend un certain temps et vous ne gérez plus la caméra. Alors certains corps peuvent relever des ustensiles assez intéressants. Donc là on va chercher et on a trouvé un autre objet à collectionner. Bon, on va éviter de le laisser en plein milieu du chemin, même si ça sert pas à rien, enfin même si ça sert à rien,
rien à voir avec les Ariens, bien entendu, ici. Et là, hop, un autre objet à ramasser. Bon, vous remarquerez que généralement les objets intéressants ont cette petite étoile qui permet de les repérer. Et voilà, un briquet. D'ailleurs, on peut voir les objets à collectionner dans le menu, que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc ici, vous avez la mission avec un plan et des objectifs. Votre personnage, à savoir les étoiles à distribuer, je vous montrerai ça plus tard. Votre inventaire, tout ce que vous avez sur vous. Donc on a une lampe de poche et un couteau. Alors la lampe de poche, je m'en suis jamais servi. C'est problématique dans la mesure où ça provoque de la lumière, donc les ennemis peuvent vous détecter. Bon, ça pas grand chose. Les objets que vous ramassez, ainsi que l'expérience qu'ils vous donnent. Donc là on n'en a que 3. Ensuite les options, recharger le point de sauvegarde, redémarrer la mission ou quitter. Bon, maintenant on va continuer. Donc parfois on va pouvoir aussi ramper dans les petits conduits comme ça, comme ceci. Bon, au passage je marquerai que la caméra peut aller dans toutes les directions. Et là on ressort. Donc normalement sauvegarde. Et maintenant je vais essayer de m'approcher discrètement. Bon, malheureusement on l'a pas trop entendu. Alors même si je suis pas un spécialiste de l'allemand, j'ai quand même remarqué que les traductions sont quand même assez correctes. Alors ici, le but est d'entrer dans cette zone. Le problème c'est que nous avons un garde et aucun moyen de l'approcher discrètement. Donc il va falloir trouver un moyen alternatif. Donc ici vous avez un kit de soins. Puisque comme je n'avais pas précisé, en bas à gauche vous avez votre silhouette. Et bien entendu ici la jauge de vie est remplie. Et là nous avons de la morphine. La morphine qui va servir à quelque chose. Et je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc en fait la morphine va servir à geler les situations difficiles de façon temporaire, comme c'est marqué, et on peut l'utiliser dans deux situations. La première, c'est pour attaquer les ennemis de face, donc c'est ce qu'on va utiliser ici, mais dans la mesure on ne peut pas l'approcher de manière simple, on va essayer de s'approcher un peu plus. Donc vous avez en bas à gauche également le nombre de morphines que vous pouvez transporter, dans la mesure où si vous augmentez ces compétences, vous pourrez non seulement accroître la durée de l'effet, mais également le nombre de morphines que vous pouvez transporter. Alors, hop, on appuie sur F, on l'active, et là, le temps est gelé, ce qui vous permet de passer jusqu'à lui et le tuer. They won't be doing anything to anyone, ever again. Et si vous avez bien remarqué, j'ai accompli un objectif secret. Il faut savoir que dans la majorité des missions, pas toutes, mais dans certaines, nous avons un objectif secret qui vous octroie 300 points d'expérience si vous le réalisez. Donc bien entendu, je vais tout vous montrer. Donc on a également encore un objet là. Voilà. On est une boîte à cigares en argent. On est à 900 points d'expérience au total. Et le dernier objet, en fait, il se trouve là-bas. On le voit qu'il brille là-bas, sauf que pour l'atteindre, il va falloir que je repère l'ennemi qui se trouve au-dessus. Dans la mesure où cet ennemi au-dessus, ben, on peut pas le tuer, vu qu'on n'a pas d'arme pour tirer à distance. Donc on va un petit peu attendre le fait qu'il se déplace. Ce serait dommage de se faire repérer tout de suite. D'autant qu'il peut très facilement nous tuer. Oui, c'est une des particularités de ce jeu, c'est un jeu d'infiltration, donc il faut être absolument patient, observateur, et c'est un jeu qui malheureusement ne laisse pas beaucoup de place pour l'erreur. Donc normalement, il ne devrait pas me voir.
Je vais essayer de me positionner ici. Parce qu'en plus, il va falloir que je récupère l'objet et que je revienne ici, puisque c'est l'endroit où je dois aller. Bon. On va essayer d'y aller. On ramasse et on a déjà 1000 points. Et on peut augmenter de niveau. Alors, il se trouve là, donc je vais essayer de me faufiler ici. Et enfin d'atteindre la dernière zone tranquillement. Un peu de chance, ça devrait le faire. Voilà. Et maintenant, on déverrouille la porte et on entre. Normalement, ça devrait mettre fin à cette mission. Et voilà. Première mission accomplie. Donc, on a l'écran classique que nous aurons à chaque fois, à savoir le nombre de tués, le nombre de tués en silence. Alors, à noter que le nombre de tués en silence, c'est uniquement le nombre de morts que vous faites avec votre couteau. Donc dans la mesure où nous aurons une arme à silencieux plus tard, normalement si vous l'utilisez, c'est pas comptabilisé en tuant en silence. Également le nombre d'objets trouvés, 5 sur 5, donc je les ai tous trouvés pour cette mission. Le temps de jeu total, donc le point XP, et votre évaluation qui est évaluée sur 4 niveaux, du plus faible au plus élevé, à savoir que c'est débutant, soldat, agent et assassin. Donc ici assassin, le niveau le plus élevé. Donc je vais essayer d'obtenir ce niveau pour toutes les missions, même si je ne vous garantis pas absolument, enfin que j'y arriverai à tous les coups, même si dans ma partie précédente j'avais plus ou moins réussi à le faire. Enfin bref, on continue. Donc même opération, les disparus, mais maintenant deuxième mission, l'entrepôt. Bon, ça va être un peu plus délicat. The first step was done. I was finally in the bunker. The fuel depot was certain to be in the lowest level to protect it from bombing raids. The mishap with my lost equipment would not stop me, but without explosive charges, the situation was hopeless. But the Germans were sure to have explosives stored somewhere in the bunker. Soon they would see what they were good for. A German fuel depot and an explosive charge sounded like a very promising combination. The problem was I had to be back outside before this rendezvous developed chemistry. Bien. Allez, on y va. Lockers like this often had useful things in them. Donc parfois nous avons des casiers, et quand nous les avons, nous pourrons avoir du matériel intéressant. Donc ici on va prendre le Colt, qui en fait est une arme à silencieux, comme vous pouvez le voir. Mais néanmoins, cette balle, très limite. D'ailleurs, normalement, je ne devrais même pas avoir m'en servir dans cette mission, si tout se passe bien entendu. Donc, alors également, dans la mission précédente, j'avais une étoile inutilisée, et on peut l'utiliser sur trois plans. La morphine, la furtivité ou la force. Donc, si on utilise sur la morphine, ça va accroître, comme j'ai dû vous le dire précédemment, à savoir le temps d'effet de la morphine ainsi que le nombre de seringues que vous pouvez transporter. La furtivité va augmenter la vitesse de déplacement quand vous êtes accroupi, et la force augmente votre résistance vis-à-vis des balles ennemies. Donc moi je vais d'abord augmenter la furtivité afin d'être un peu plus tranquille. Alors on va passer par là, et là on a déjà un petit élément à pousser. Alors, ici, on a de la morphine et un objet à collecter. On continue.
continue. Et là, fais gaffe, parce qu'il y a un soldat. Alors, malheureusement, le jeu souffre d'un petit problème, c'est que généralement, les soldats, on va tous les éliminer, ou presque. Puisque, vous allez vite vous rendre compte... que la majorité d'entre eux contiennent les clés qui permettent de déverrouiller les portes. Assez dommage, on va devoir les tuer, voire tous. D'ailleurs, dans cette mission, je vais tous les tuer, d'ailleurs. Enfin, bref. Alors, vous avez vu que parfois le finish est au couteau, parfois à l'arme que vous utilisez. Encore heureux, ça n'utilise pas les munitions. A savoir que j'avais 7 balles et j'en ai encore 7, même si elle s'en est servie pour faire un finish. Alors, quand vous êtes face à une porte, enfin certaines, vous pouvez, en appuyant sur clic droit, regarder par le trou de la serrure, ce qui vous permet de voir ce qui se trouve de l'autre côté. J'ai trouvé que l'idée était assez intéressante. Malheureusement, on ne peut que revenir en arrière. Ça aurait été peut-être intéressant, par exemple, vous regardez pas le trou de la serrure, et au lieu de faire un clic droit pour retourner, vous faites un clic gauche pour entrer automatiquement. Ça aurait été bienvenu. Alors ici, on va faire gaffe, parce que normalement, il y a des gens qui patrouillent. Normalement, on va se trouver là-bas. Alors, le problème, c'est qu'il y a de la lumière, et si on rentre dans la lumière, on va se faire repérer. Donc, la première idée, on casse la boîte de fusible. Alors vous le voyez, la silhouette clignote en bleu et rouge. Ça signifie que vous avez été repéré, mais que comme vous êtes caché, il vous cherche jusqu'à un certain point. La silhouette, quand elle est bleue, c'est que vous êtes caché. Si elle est bleue et rouge, c'est que vous avez été détecté, mais que vous êtes caché. Et si elle est uniquement rouge, c'est que vous avez été détecté et que vous êtes encore visible. Bien entendu, quand elle est rouge, généralement les ennemis vous tirent dessus. Donc là, j'ai fait un petit peu d'ombre, ce qui va me permettre d'exécuter tranquillement. Donc j'évite de m'approcher trop, à mesure où il pourrait me voir. Allez, viens voir. Maman. Hop. Petit couteau dans le dos. Donc ici, on va se débarrasser du corps, même si c'est pas indispensable pour l'instant. Et on va s'occuper de cette autre garde là-bas, qui patrouille. Alors, il se trouve là-bas, et on va attendre qu'il se retourne pour pouvoir passer un petit peu dans la zone suivante. Donc effectivement, le changement d'épaule, très utile. Puisque c'était un des problèmes du premier et du second Splinter Cell, à savoir que quand vous êtes caméra à l'épaule, vu qu'elle est toujours sur la droite, vous ne pouviez pas tirer sur un ennemi s'il se trouvait un petit peu trop... Disons, si vous voulez tirer un ennemi qui se trouvait dans ce couloir là, de cette manière c'était pas simple, vous étiez obligé de mettre à découvert. Ce qui est beaucoup plus facile avec cette vue là. Bien. Alors, on va attendre qu'il se retourne, on va le suivre et l'exécuter. Comme je vous dis, c'est un jeu où il faut être extrêmement patient. Alors au passage, vous remarquerez que nous avons notre ombre normalement sur les murs, mais que jamais je me suis fait griller parce qu'il a vu mon ombre. Hop. On va prendre son corps et le cacher. J'espère aussi que cette vidéo ne va pas être trop longue, normalement je présume environ 50 de minutes, facile. On est déjà quasiment à 30 minutes, ça risque d'être assez délicat. Alors... cette pièce, une pièce centrale. Attends, il y a une sauvegarde qui doit se lancer. Voilà, donc ici vous avez de la morphine dans le coin si vous l'avez déjà utilisé, un kit de soins ici. Normalement, il y a un objet à collecter là. Voilà, ça c'est fait. Alors je regarde sur mes notes. Oui, ça c'est fait, et notre objectif c'est de passer par là. It would have made no sense to go in there without a gas mask and explosives. Donc c'est là où nous devons aller. Le problème, c'est qu'il nous faut un explosif et un masque à gaz. Alors, on va d'abord s'occuper du masque à gaz en passant par ici. Donc il n'y a rien derrière. On peut ouvrir la porte et passer. Alors ici... Careful, broken fragments. Creeping silently over that was impossible. On a du verre brisé sur le sol. Et l'inconvénient, c'est que le verre brisé, vous êtes automatiquement détecté même si vous passez accroupi. Donc généralement, si un ennemi qui est juste à côté, ça signifie que si vous passez, il va se retourner et vous voir. Donc, prudence.
Alors ici, nous avons un général avec qui apparemment a allumé une radio. Donc ici, la première idée serait de se dire, bah, on va le suivre. Problème, il y a du verre brisé. Ce qui fait que si on essaie de passer, il va se retourner et nous voir. Donc, comment faire pour l'attirer? Bah, c'est ça, on va simplement éteindre la radio. Comme nous avons éteint la radio et qu'il aime bien la musique, il va essayer de la rallumer et c'est à ce moment-là que nous allons l'exécuter. Fou. Hop, on va chercher mon corps, on a une clé. On va mettre son corps dans le coin. Alors parfois ils ont également des trousses de soins, mais comme je suis fou de santé, je peux pas l'utiliser. On va avancer doucement. Il y a un ennemi qui rôde dans le coin. Sur la table, une lettre. Donc parfois les lettres donnent des infos utiles. Bon, je la lirai plus tard. Alors on va attendre que le garde s'éloigne un peu pour passer ici. Je vais essayer dans la mesure du possible de vous laisser les dialogues. Je précise dans la mesure du possible. Donc normalement je suis passé ici, j'ai ramassé un petit objet dans la pièce précédente et j'ai utilisé la clé qui se trouvait sur l'officier pour ouvrir. Donc là, hop, on exécute, on va ramasser son corps, le planquer ici et récupérer le masque à gaz qui se trouve juste là. I could make good use of the mask. Et je vais m'occuper de l'autre garde. Donc je vais d'abord attendre qu'il vienne jusqu'ici pour ensuite le suivre. Alors malheureusement vous avez vu aussi hein, parfois un petit bug qui peut arriver au niveau du fait de ramper. Ça peut arriver parfois. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Ici on cache les corps. Et on continue. Donc normalement la pièce est entièrement vide. Et avant que j'oublie, je vais vous montrer la lettre. Donc la lettre se trouve dans les inventaires. Et laissons Violette lire. Dear Gretchen, my thoughts turn constantly to how you are doing. Please don't worry about me. Even if so much is demanded of us, we will come through it together. Nothing bad can happen to me. For I sense that I have a guardian angel. Many of my comrades have wound up in hospital with poisoning just because they do not pay attention to their gas masks. But that cannot happen to me. Please don't worry about me. We are even safe from airplanes here. What could happen to me? Don't give up hope, dearest. Whatever happens, one day I will return home and then I will always be there for you. Heartfelt hugs and kisses. Your Carl. Voilà, donc généralement les lettres peuvent soit vous donner des informations utiles sur la mission, soit vous donner des renseignements sur, on va dire, la vie de l'environnement. Donc, on a le masque à gaz, Hausgang sorti, ah tiens. Donc, deuxième sauvegarde, et maintenant nous allons aller ben, justement à l'entrepôt de munitions. Attention, danger explosif.
pour récupérer un explosif justement qui sera très utile pour faire péter le tout le dépôt. Donc ici on va monter tout en haut. Oui je sais, monter en haut. Certains vont dire que pléonasme, etc. Mais bon. Et on va aller dans cette pièce. Donc il n'y a pas d'ennemis. Au passage on peut admirer un petit peu d'extérieur. Bon, même si on voit pas grand chose. Mais surtout, normalement il y a un objet à ramasser ici. Un télescope qui vaut 300 points. Alors certains objets valent 100 points, d'autres 300, d'autres 500. Généralement, plus ils sont rares, plus ils rapportent des points. Et je vous assure qu'il y en a certains qui sont extrêmement bien cachés. Donc normalement, je devrais pouvoir tous vous les montrer. Donc ici, on fait gaffe. Petit ennemi. Un ennemi qui sera là. En fait, même deux. On voit un et il y en a un autre dans le fond. Donc non, celui-là va s'avancer un petit peu dans la pièce et on va s'en occuper très simplement. Alors au passage, vous remarquerez que les exécutions parfois utilisent l'arme que vous avez sélectionnée en haut. Au passage, molette pour en changer. Parfois utilise le couteau ou l'arme qu'elle veut. Bon, on va casser la boîte de fusible afin d'avoir un petit peu d'obscurité. Et on va regarder ici. Et là, on remarque qu'il y a... un et deux ennemis lourdement armés qui regardent à peu près dans notre position. Donc effectivement on va pas passer par là. On va plutôt passer par ici. Problème, il y a ce garde. Donc l'astuce, on va siffler. Une des particularités, c'est qu'on va se positionner ici. On va siffler et ça va attirer l'autre garde. Donc heureusement que nous avons cassé la boîte de fusible afin d'éviter... à peu près. J'ai eu chaud. Mais normalement j'avais prévu. Enfin, il était prévu qu'il vienne à peu près ici. Puisqu'il va là où vous avez sifflé. Mais j'ai peut-être. Disons je pense que j'ai dû courir. Et que malheureusement, il a détecté le changement de position. Bref. On va passer par là. Et normalement, on devrait écouter une petite conversation entre deux personnes. Vous longez le mur pour être dans l'obscurité. Hast du auch immer so ein Stechen in der Brust? Ich krieg kaum noch Luft. Nee, aber ich hab ständig Ohrensausen. Warum warst du heute nicht in der Kantine? Ich kann den Scheißfraß nicht mehr sehen. Das Zeug schmeckt wie die Socken vom Sturmführer. Stell dir doch einen Rehrücken mit Wacholderbeeren oder ein Stück Apfelstrudel mit heißer Vanillesoße. Gibt's die Kellnerin noch gratis dazu? Ja, mit Sahne und Fläumchen. Das wäre meine anständige Bedienung. Hast du noch Zigaretten? Nee, ich hab die Kippen im Quartier gelassen. Du kannst dir eine nehmen. Sie müssen direkt neben der Gasmaske liegen, neben dem Bett. Da! Hast du das eben gehört? Läuft einer rum. Man sieht ihn nie, aber man kann ihn hören. Da, still! Jetzt redet er wieder. Hörst du das? Spinnst du? Ich höre nichts. Was sagt er denn? Das Feuer brennt. Verschlingt meine Seele. Das Ende ist nah. Das Schlachten hat gerade erst begonnen. Hörst du das wirklich nicht? Nee, du spinnst. Du solltest nicht so viel Morphium nehmen. Verdammt, lass mich endlich zufrieden. Wer bist du überhaupt? Was für ein Feuer! Hau ab! Halt die Klappe! Der dreht durch. Ich hau lieber ab. Voilà, donc en fait, il suffit de longer le mur pour rester dans l'ombre et pouvoir passer. Maintenant, on va attendre que l'ennemi passe ici et on va le tuer discrètement. Alors malheureusement, les ennemis sont extrêmement bien armés. On voit ici qu'il a un fusil à pompe. Donc comme dans Splinter Cell, on peut absolument pas prendre son arme. Bon, dans un sens, on va plus ou moins tous les éliminer silencieusement. Maintenant, on va s'occuper de lui. Parce que malheureusement, il nous bloque le passage pour la suite. Enfin, pas pour la suite directe, mais pour une mission secrète. Alors ici, nous avons une morphine. Donc, je vais me servir de celle que j'ai. Hop. On va cacher son corps. Alors à noter que normalement, dans la première mission, ce fut le seul moment
où le jeu vous oblige à utiliser une morphine. Dans tout le reste du jeu, ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez très bien, en théorie, vous en sortir sans. Mais parfois, je risque de m'en servir soit pour tuer les ennemis qui m'auraient repéré, soit simplement pour passer à un endroit un petit peu délicat. Enfin, vous verrez bien un peu plus tard. Donc avant de partir, on ouvre la porte, et là on voit une sorte de palette en bois. On prend le couteau, et on explose. Et là on voit une bouteille de vin. A fine French wine, exactly the right thing for a toast to the success of the mission later. Hop, objectif secret accompli, trouver la bouteille de vin. Génial, non? Donc maintenant on va continuer. Hop, on va par-dessus les grilles. Hop, encore par-dessus celle-là. Bon, c'est moi qui gère la caméra hein, quand elle passe au-dessus des grilles. On va peut-être prendre ça. Et on va s'intéresser à la pièce suivante. Hein, un garde qui apparemment est entièrement statique. Et il regarde dans notre direction. Donc on passe immédiatement à droite pour trouver un kit de secours. Au cas où. Et on va essayer de tuer discrètement. Donc ici, très simple. Warning. The door was electrified. I definitely had to turn off the power first. Vous attendez que la lumière s'éteigne, vous avez normalement assez de temps pour passer. Et on le supprime. Alors attention, la porte est électrifiée. Et bien entendu, on ne peut pas la toucher, sinon on va se faire électrocuter. Donc, il va falloir trouver un moyen de couper le courant. Et justement, pour couper le courant, c'est dans la pièce suivante. Alors, petit coup d'œil, vous reconnaissez la pièce? On avait regardé pas trop d'assurance de la porte qui se trouve par là-bas. Deux ennemis qui se regardent, donc nécessairement, on va pas pouvoir tuer l'un sans avertir l'autre. Et l'élément pour couper le courant se trouve au premier étage, sauf que c'est en pleine lumière, donc on va pas pouvoir passer discrètement. Alors ici, il suffit de longer le plan de travail. Donc, comme vous le voyez, le jeu nous dit que nous sommes dans l'obscurité. Caché, même si honnêtement on n'est pas aussi caché que ça, ce qui est un petit peu problématique, vous le verrez plus tard, il y a certains endroits où c'est totalement contre-intuitif. Enfin, bref, on va actionner ce levier qui va en fait baisser le store métallique de la fenêtre et plonger la pièce dans l'obscurité. Alors malheureusement ça attire les nuits. Bon, ça l'a juste attiré, hein, sur le jeu, il va se calmer et revenir à sa place. Bien tranquillement, et nous, on va s'occuper de lui d'abord. Hop, on ramasse son corps, on va le mettre un petit peu. Là, et maintenant, on va faire le tour et s'occuper de l'autre. Douceur, pas de précipitation. Faut quand même admettre qu'il y a certains finishes qui sont quand même assez classe. Bon, même si c'est vrai que c'est pas vraiment si classe que ça de trancher une jugulaire. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper d'électricité. Bon, avant, on passe ici récupérer un objet. Et on a déjà encore 1000 points. C'est génial. Donc kit de soins. Et on actionne le levier. Donc comme vous voyez, on est totalement dans la lumière, ce qui fait que le garde qui se trouve là-bas, normalement, il vous voit tout de suite. Bien. Maintenant, on repasse ici. Le courant est coupé, on peut ouvrir la porte et prendre les explosifs qui sont là. Very nice. That would do to blow up the fuel depot. Alors, avant de continuer... Ok, ça c'est bon. Je regarde mes notes. Donc normalement ça je l'ai pris. Et il me reste un objet à trouver. Oui, tout est bon. Le dernier objet, je sais où il est. Donc je vais pouvoir l'avoir. Donc maintenant, on va accéder à la zone où nous ne pouvions pas rentrer avant. Puisque nous n'avions pas, entre guillemets, ce qu'il fallait.
encore une sauvegarde. Et maintenant, on va commencer les choses un peu plus sérieuses. Donc ici, on voit une pièce. On se dit, on va essayer d'ouvrir. Ah, la porte est verrouillée. Et quand on regarde à travers la serrure, on voit que, apparemment, il y a un kit de soins et des munitions. Ce qui serait très utile. Rauchenverboten. Pour ceux qui n'ont pas fait de l'allemand, ça signifie défense de fumée. Et là, on approche avec le fameux panneau. Il faut un masque à gaz. Donc on va le mettre. Donc en appuyant sur la touche G, vous mettez votre masque à gaz. A noter que quand vous avez le masque à gaz, vous ne pouvez pas siffler. Et maintenant, on va entrer. Donc, l'atmosphère verte signifie des gaz toxiques. That was the fuel depot. The room was full of poisonous fumes. In addition, there were explosive barrels everywhere. If firearms were used, everything could go up in a bang. Now I had to find a right place for the bomb. Ein gottverdammter Dieb bist du. Deine eigenen Kameraden und Waffenbruder bestehlen. Das ist das Letzte. Mann, jetzt hör aber mal auf. Ich hab gar nichts geklaut. Lügner, du hast von meiner Schokolade gegessen. Du Dieb. Vielleicht ist es ja der Obersturmbannführer gewesen. Von wegen. Du hast nur gedacht, ich merke das nicht, was? Aber da hast du falsch gedacht. Du Scheißdieb. Na, halt doch endlich die Klappe. Hast du sonst keine anderen Sorgen? Trink dir lieber ein und lass mich zufrieden. Auch noch frech werden, was? Jetzt gib mir sofort meine Schokolade zurück, du verdammter Dieb. Kannst du nicht ein einziges Mal Ruhe geben? Da kommt dann ja der Kaffee hoch. Du bist der letzte Dreck. Ein asoziales Element. Ich werde Meldung machen beim SD. Die werden dich an die Wand stellen. Mensch, spuck mich doch nicht an, wenn du mit mir sprichst, du Arsch! Kannst du nicht die Rotze der Presse lassen beim Reden? Du Saboteur! Ich werde Meldung machen. Gleich nach meiner Schicht. Schokolade klauen. Das gleicht Hochverrat. Du wirst schon sehen. Weißt du was? Du kannst dir deine Schokolade in den Arsch schieben. Mir wird das hier zu blöd. Geh wieder. Tickst du nicht ganz richtig. Bon, alors, première victime, lui. Donc ici, dans la mesure où nous sommes dans un environnement avec des gaz toxiques, pas d'exécution avec des armes ou couteaux, on enlève le masque à gaz. Bon, on va le cacher pour mesure de sécurité. Alors bien entendu, je n'ai jamais essayé d'ôter mon masque à gaz dans cet environnement, d'ailleurs je pense que ce serait fatal. Bon, il reste deux ennemis, et les explosifs doivent être positionnés là-haut. Donc, hop, on attend qu'il se retourne, on passe là, et ensuite immédiatement à droite. Normalement, là on est caché, à notre garde ici. Alors je vais attendre qu'il s'éloigne un peu, voilà, et je vais casser la boîte à fusibles, pour plonger toute la zone dans l'obscurité. Alors parfois, alors là, parfait exemple, vous avez vu qu'il a pointé dans ma direction. Alors ça c'est parfois, je pense que c'est plus ou moins un petit bug du jeu, c'est que parfois les ennemis pointeront leurs armes ou donnent l'impression de se tourner vers vous, alors qu'en fait ils ne vous ont absolument pas repéré. Hop, on ramasse des cartouches de fusil qui seront utiles. Bon, maintenant on va s'occuper du dernier. Tiens, au fait. Ah voilà, je disais bien. Hop. Deuxième étoile. Alors la furtivité, c'est très important de l'augmenter puisque malheureusement, si vous n'avez pas amélioré cette compétence, vous marquerez que vous déplacez plus lentement. Au bout de 3 étoiles, pardon, vous déplacez à la même vitesse et au-delà de 3 étoiles, vous êtes plus rapide. Donc bien entendu, si vous, vu qu'on va être 5 étoiles, il va falloir faire attention d'éviter de nous cogner. Oui, certains ennemis chantent parfois. On va attendre qu'il se retourne. Évitant de l'approcher de trop près, puisqu'il peut quand même nous voir. Allez, bonne nuit. Bon, comme d'habitude, on fait un peu de ménage, même si c'est pas indispensable ici. Hop, ouais, là il sera bien. Et on va chercher derrière ces citernes, puisque normalement il y a un objet à collecter. Voilà.
2100 points, c'est exactement l'XP que vous devez avoir à la fin de cette mission si vous avez tout trouvé depuis le début. Donc ici, on va monter par ce plan incliné, et pour cela il va falloir pousser cette caisse. C'est un petit peu long. Hop là, on grimpe. Et là maintenant ça va être un petit, la dernière phase. Donc bien entendu, on pourrait dissimuler l'explosif tout de suite, sauf qu'on va pas le faire. Parce que bien entendu, un explosif à compte à rebours, il va falloir prévoir notre plan de fuite. Alors, vu que notre Ausgang signifie en allemand sortie de secours, on va essayer de prévoir un petit peu. Donc ici nous nous trouvons en fait dans la salle qui était précédemment verrouillée, donc on la déverrouille. Voilà, comme ça on pourra sortir. On va jeter un petit coup d'œil dans l'armoire pour récupérer un petit fusil à pompe. Les gars vont prendre des munitions. Ah, je suis déjà complet. Donc effectivement, les armes, généralement les munitions sont rarissimes. Et on va avoir un petit fusil qui va nous aider pour notre fuite. Alors à noter que généralement, quand il vous donne un fusil à pompe, ça signifie qu'il va y avoir un petit peu de baston. Et effectivement, à partir de maintenant, vu qu'on va poser la bombe, que là on va être déclenché, on va plus pouvoir faire de kill furtif. Allez, dernière phase. On dissimule l'explosif et maintenant on se tire. Alors à noter que il faut impérativement que vous soyez sorti de la pièce, voire même que vous ayez monté l'escalier à la fin du temps. Donc ici, on voit qu'un ennemi se pointe. Hop. Vous sortez. Ah, non. Donc lui, il meurt. Un autre arrive. Et maintenant vous courez, c'est impératif dans la mesure où ça s'effondre derrière vous. Et si vous avancez pas, ben vous faites tuer par l'effondrement. Ici, hop. Alors normalement ils sont un peu plus loin et vous pouvez tirer dans les barils. Bon, je fais bon avis, bon. Et là vous courez vers la sortie. Et voilà, fin de la mission. Et fin également de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc effectivement, 20 tués sur 20. Donc on les a tous tués. Les 4 derniers, on peut absolument pas faire un kill furtif. Ça, je pense que c'est compréhensible. Alors je vais pas non plus me focaliser sur tous les tuer nécessairement et tous les tuer en silence. Je sais que certains, vu que j'ai vu une solution écrite qu'il préconisait, effectivement, chapeau pour le gars, parce qu'il s'est vraiment creusé la tête pour essayer de trouver des solutions. Mais normalement, j'étais pas aussi rigoureux que ça, et que j'ai quand même réussi à avoir le roi assassin. Donc, j'ai tout trouvé, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine mission. Et normalement, nous devrions, si je ne m'abuse, nous diriger vers Paris, afin de rencontrer un... Enfin, pour une mission d'assassinat. Voilà, je vous dis pas plus, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc, salut et à la prochaine !